Mesdames et messieurs la famille, ou sous cause la Kainfo, nous saluons ou même cap sur plateforme ça, c'est un privilège et ou même qui visitez nous pour la première fois ou gain intérêt pour like, abonner, partager. Eh bien, sans plus tarder, dans votre moment actualité, que nous pouvons vous aujourd'hui parce que vous chargez pas camper, réalité chez vous, regardez vidéo jusqu'à la fin. Et situation insécurité pays a connait là et surtout dans plusieurs côtés dans pays en agressé dans Ganti dans Cabaret dans Akaye et sans pas oublier dans Port-au-Prince m'dati bien dans Delma dans Pétionville dans Croix des Bouquets ça continue à pas soulever réaction là qu'il divers acteurs politiques et qui au même jeudi hein et qui commençait très mal comprendre et très mal ouais conseil présidentiel yo mettez avec gouvernement koni a dirigé hein mettez avec déjà la police Ramon Milan et vin ajouter avec Pro-Andy et on parti dans la mission multinationale qui est en Haïti. Et ensemble, secteur ça yo, ensemble, acteur ça yo, yo même encore yo dit que, est-ce que y'a espoir pour que bagay ta changé? Et les regarder dans le comportement équipe qui là, yo dit clairement que yo pas ouais volonté la caillou pour yo ta capable résoudre question insécurité, diminuer dans question grand gouan et permettre que la vie reprenne en dans pays. Bien que Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil et conseil transition, mais sous tribune CARICOM, monsieur dit et on dit semaine passée que la vie commence à reprendre en dans pays. La police, force de l'audio, yo quasiment presque prend contrôle pays hein, pour me répéter Edgar Leblanc fils en pile acteur réagit sous ça. Il dit est-ce que finalement Edgar Leblanc fils pas vivre dans pays hein, puisque gardez yo plusieurs mois que yo prêté serment yo installé yo beaucoup même j'aime qu'à aller dans palais national qui c'est côté où t'as dû siéger et pourtant c'est dans villa d'accueil dans Musso Dema 60 qui est siégé alors que même PM Gary Koni récemment a fait une visite dans l'hôpital général c'est en bas gros coup de balle il est sorti retiré école, et bien en bas l'hôpital général. Mon cabaret, mon akaye connaît des moments très difficiles dans la soirée qui était exactement mardi 6 août 2024. Là. Désir, comment est-ce en bas qui est avec l'invité? Très bien, la situation nous pratiquement à faire. On connaît Gemet Robinson Pierre-Louis qui joue et Libération et Gagnon et Michler Vigilto, ancien commissaire au gouvernement portugais et qui pratiquement pas de paix, pardon, qui était impliqué, pardon, qui était impliqué dans ça qui vient pour avec question et bateau qui était gain zam qui était rentré là-dedans et il était arrêté monsieur Silayo et bien il a passé presque une année dans prison et bien et il est sorti et bel et bien après et juge de fin tendez Blaise Peterson. Il y a un scandale qui pratiquement a été donc fait entre païens avec chrétiens, Emeline Michel, qui était dans un concert évangélique, que pasteur Mallory, et c'est donc garder bagarre différent, qui permet que haïtiens qui croient dans valait Emeline Michel, et pour tout dernier moment, Blaise Peterson, pasteur Mallory, a passé non seul Jésus-Christ en bas haïtien, surtout, vous connaissez les haïtiens, c'est Dieu qui est lié, qui pratiquement prend responsabilité, les remet au monde, pour quelle que soit la raison, le pape d'accord, que vous parlez mal de lui. L'État haïtien a baillé chaque parent, si moun, dans quelques départements qui ont pu cibler, dans sa client pour avec réouverture des classes, 15 pour arriver 20 000 gouttes, et c'est 5, plus soit 5 milliards de gouttes qui peuvent le débloquer dans le cadre pour Roger Silla qui passe Spawn et lancer débat, bon côté population, bon côté des acteurs, les situations, parce que ils ont estimé, li pas bienvenu, c'est pour l'État Angel investir contre insécurité à non équiper la police ça la permettre que mounyo que ou pral bay 15 000 goud 20 000 goud pour ti mounyo qui pratiquent dans l'école communautaire ou bien et dans l'école nationale yo y a quatre travail y a quatre faire commerce pour yo rentrer l'argent et surtout pour yo capable prendre soin ti mounyo bay ti mounyo ça a besoin malheureusement autorité pas gain vraiment provision pour changer condition la vie population si on regarde pour conseiller présidentiel yo qui pratiquement les personnes gagnent plus passé et 4 mois depuis là et PM Gary Koni pral gen environ mois et plus depuis l'IPRA investitil jusqu'à présent ouais conditions de vie messieurs dames a changé tout simplement on seul bagaille que messieurs dames dans conseil présidentiel offrir ces scandales corruption qui a parlé côté yota accusé sous l'argent il faut qu'on dit tout gen et président conseil administration et BNCA que responsable ILCC a tendé pour te questionner, pour te connaître, est-ce que ça que vous tendez qu'à parler dans la rue, est-ce qu'elle a une part de vérité? Est-ce que
monsieur conseiller présidentiel yo t'es convoqué ou t'es mandé t'as fait pression sur lui ou t'es pour le bail 100 millions goud juste pour être capable gambel nan et conseil administration BNC pour un peu le monde qui fait quoi que bourgeois en dedans pays qui avait en otage depuis un bon bout de temps. Dans Port-au-Prince, l'amour je continue à faire causer, c'est presque chaque jour monsieur présenté yon cargaison zam ak munition ke li achete ou jusqu'à présent autorité policière yo pour qu'on gagne dimension pour qu'on gagne tactique pour yo marcher prendre l'amour sans jour et qui c'est chef gang 400 maozoa qui a fait parler de lui qui bloqué on parisien et même ça li bloqué pont li soudel les personnes li disé pour 4 mois machine qui qu'on utilise route ça pour aller mal passe pour mener mon arrière grave de pas traverser toute censée embager autorité qui dans l'état qui dans conseil présidentiel transition qui dans gouvernement connu en belle situation et gouvernement qui la 4e version PHTK Ariel Henry c'est de 3e version et non pas bon l'autre n'a dit c'est une c'est continuité l'autre c'est même Pepempio c'est même Cabrit Tomazoyo malheureusement journée aujourd'hui, où est ce désespoir sur toute la ligne, dans toutes les communautés, dans toutes les zones, dans tous les coins et recoins du pays, à tel point que, journée aujourd'hui, nous avons de nouveaux territoires qui ont perdu, et nous avons pris un prend cabaret, nous commencé à rentrer sous Akaye, à plusieurs fois, nous fait des interventions à Léogan, c'est pour nous. Ça va très mal, très très mal, et que pour nous autres, au niveau du mouvement personnel, nous pas là pour nous comparer, mon qui a fait ça mal, c'est même Malio qui a continué. Mais Kounia, comment vous gardez ou essayez de comprendre, je suis dit là, ou essayez d'effleurer, mais comment vous gardez ou comprendre que Andy n'en soit, bon, et pas la première fois ça arrive, mais ensemble de espace que Mandi et territoire apprend là, puisque je suis Edgar, le fiste de Zobagale, que l'étape prend fonction, si je me trompe, et je crois que c'était 18 mai, si je me trompe, l'étape dit que pas de question territoire perdu pour l'État. L'État, pas qu'à gagner limite, l'État pas qu'à gagner côté, l'État doit être capable de tout côté. C'est pour l'État. Et je dis, hein, nous venons de Gantier qui entre dans l'Islan, nous venons de Gressier qui est dans l'Islan, bon, Cabaret Aka était déjà dans l'Islan, mais Cabaret avec Aka, bandit retourner et frapper zone ça. Comment on comprend ça, je dis, hein, et même Edgar le blanc fils ça lui-même, après une belle déclaration sur ça, qui est bandit à battre ensemble de côté ça, m'koué, et dans la participation, dans la 47e session chef d'État et gouvernement CARICOM, et Caraïbes, pardon, dans la Grenade, il fait qu'on est que la vie commence à prendre dans le pays et la police avec leur force de l'audio, ils ont même repris timidement contre le pays. Non. Esclave au service du blanc, au service du colon blanc, c'est ça blanc, c'est ça colon après m'entendez, c'est lui a toujours dit, parce que pour yo là, c'est CARICOM qui mettait yo. Pour yo là, c'est corps groupe qui mettait yo. Pour yo là, c'est l'Occident qui mettait yo là. C'est tout à fait normal. Ce type de déclaration, ça, que y a fait. Pas oublier que même nèg ça, et qui saute faire déclaration ça, équipe LIA, yo di a fait exactement 100 jours depuis yo installé sous pouvoir. Même dans le palais national, là, vous pouvez mettre pied yo. Yo caché quoi, yo dans un petit coin, dans la villa d'accueil. En bas chaleur, en bas maringouin, en bas poussière, en bas rage. Nèg sa ou pa gen aucune dignité non, yo pa gen aucune autorité non, yo pa gen aucune crédibilité non, yo pa gen aucune légitimité non. Ce sont des gens terribles que nèg sa yoye. Eh bien nous pas capable quoi là-dedans yo, et pas lui même seulement te faire déclaration ça yo non. Ou pas songer Gary Koni te dit que li pral attaquer bandi yo pral marcher pran kay en kay pour moun retourner communauté en communauté il pral récupérer territoire perdu il tellement fait déclaration déclarer état d'urgence sécuritaire et pendant état d'urgence sécuritaire yo pa gen rien qui fait pa gen arrestation qui fait pa gen chef de gang qui tombé au contraire c'est plus territoire perdu que nous vinn gagner parce que c'est dans moment et état d'urgence sécuritaire là nous perdu Gantier. Nous sur route pour nous perdre Tomazo, nous perdre Bercy dans cabaret, nous sur route pour nous perdre quoi des bouquets. C'est terrible. C'est ça, il n'y a pas rien de sérieux.
pendant temps que vous faites sous pouvoir, que vous êtes capable de bailler comme espoir avec le peuple haïtien. C'est un seul bagage que vous êtes capable de demander pour vous, que vous démissionnez en bloc à manger, c'est ça que vous avez déjà fait, vous avez déjà pillé dans la caisse l'État. On avance ici avec Ulysse. Très bien, Ulysse, modèle situation qui est là, je ne crois pas que l'Ivine s'y prise pour nous-mêmes comme acteurs politiques. Depuis le conseil là, monté, nous te connaissons, c'est une équipe monde qui pratiquement est dans le chômage, qui a cherché un job, qui vient là, qui rend la situation quatre fois difficile. Mais est-ce que vous pensez que nous avons sorti dans la situation que nous trouvons là, dans au moins 19 mois que M. Tadoué gagne pour nous faire là, déjà 4 mois déjà écoulé là-dedans? Comment nous avons sorti dans la situation que nous trouvons là? Nous mettons 500 mois, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème qui vient là. Le pourquoi? Tout d'abord, il faut que nous ayons une volonté pour résoudre la crise là. Non, nous n'avons pas une volonté ça. Nous avons un sentiment de patriotisme qui développe la caillou. Non, nous n'avons pas une comme ça. Il faut que nous ne pas sous coupe régler la communauté internationale là. C'est de ça que nous avons. Faut yo pata gagner l'autre intérêt inavoué et inavouable et la caillou ou est-ce ça cap développer ou est-ce plus corruption et cap déclarer la caillou c'est scandale de corruption de scandale et en scandale cap développer la caillou monsieur ça au capable ba 500 mois yo pas jamais résoudre problème insécurité qui gen là. La solution idéale à la résolution de la crise haïtienne doit passer par un soulèvement général de la population haïtienne parce que le peuple est souverain, le peuple n'a pas jamais perdu la bataille. Très, très bien. Et déjà, mes ententes, en mettant conseiller présidentiel avec Gary Conille, parce que vous avez des militants politiques qui déjà ont demandé Gary Conille et Rachel Mayor Klibaïter, et conseiller présidentiel qui estime que le pouvoir est lésé, dans la tête que Gary Conille veut prendre tout pouvoir. Ou saute, essayer donc de répéter une parole que Gary Conille a répété dans divers discours qu'il a fait. Il dit que yo kral Antonio pour yo et prendre contrôle pays à kay en kay, OK, quartier en quartier. Est-ce que vous estimez qu'il y a un travail qui commence à faire là qui va permettre que nous récupérer pays à kay en kay, quartier en quartier? Mwazo, bon ça va seulement pour Gary Conille, m'a tout dit. Ni pour Gary Conille, ni pour CPTA, ni pour force étrangère la qui est dans le pays. On nous mette yo trois, on nous mette yo quatre ensemble tout. Et DGPNH là, quatre groupes inutiles à yo. Et ensemble, le décret d'état d'urgence là, ou même quitter l'autre bagaille, oui. Parce que là, on fait monter, c'est tout à fait normal pour faire des discours, pour essayer de joindre sympathie la population. Nous avons des discours de côté. À nous garder l'état d'urgence sécuritaire là. Parce que l'état d'urgence sécuritaire là, il implique ni CPT, ni gouvernement de Gary Conille, ni PNH, ni force multinationale là. Depuis force multinationale là, venir dans le pays, c'est trois visites d'exploration que vous faites seulement. Oui. Vous faites une au bas de la ville. Yo fait youn et en bas d'Elma, yo fait youn sur route frère là. Yo pas jouer rien encore non men. À tel point que nèg sa vinn développer une psychose de peur. Yo même déclaré nan feuille de route force étrangère là. Yo pas gen protège une bataille à gang pour nous non. Et c'est bâtiment public qui vient sécurité, c'est palais, c'est aéroport, c'est ambassade, c'est route nationale, ils viennent garder sur la route nationale, même ils ont peur pour qu'on y passe là-dedans. Même l'agressé, ils veulent qu'on y arrive. Et ils font tentative pour y aller gantier, ils courent, ils tournent. Ça veut dire que non seulement espace, état d'urgence sécuritaire là, nous y est, où est-ce que ça fait? N'est-ce pas prendre gantier? Yo boule commissariat, yo boule et mairie quoi des bouquets, yo boule DGI quoi des bouquets, yo boule hôpital la police là qui nan quoi des bouquets, et yo rentré en dans gantier, yo fait même bagarre là, yo boule commissariat, yo boule douane,
yo boule avant poste douanier qui tranché a, yo incendié blindé, yo boule kay moun yo, yo violé ti moun yo, yo bay un paquet jeune femme bâton. Et tout toutes ces sous état d'urgence là, yo kounye la nèg yo glissé sous zone et cabaret dans région des Matéan. Nèg yo allé dans localité qui rele Bercy. Nèg yo mette tout moun yo dehors, yo bat moun yo, yo krasé kay moun yo, yo fon paquet de zone à tel point là yo franchi kounye la sous akare. La même chose yo fait agresser actuellement là, yo fin tellement bandi tellement prend agresser, yo a gardé sur a percer sous Léogane. Tellement dans espace état d'urgence sécuritaire, parce que l'ordre état d'urgence sécuritaire son gros bagage que lié, c'est une décision solide qu'on prend pour porter une solution rapide à un problème qui existait. Maintenant, si nous quittons quatre états d'urgence sécuritaire là, à nous garder toute proposition que nous avons fait. Depuis yo vin là, c'est des fausses promesses en fausses promesses que le gouvernement Gary Conille en fait. Et il a fait une série de vieilles déclarations dans la presse. Ils ont organisé examen officiel pour 9e année pour élèves S4. Il y a un paquet de petits mondes qui n'est pas composé. Et puis, ils ont dit que c'est 95% de petits mondes qui sont doués dans l'examen officiel qui a composé. Tandis que mais là, dans le cabaret, là dans cabaret puis fort tout ti moun yo sensé pas composé dans cabaret à cause de insécurité puis fort ti moun gache pas composé à cause de insécurité 60% de ti moun gressé pas composé à cause de insécurité yo tellement confortable yo déjà annoncé réouverture des classes pour le 1er octobre 2024 c'est pour nous si c'est sous nèg ça yo nous compter pour résoudre problème insécurité là nous mourons tous comme des Gana sauvage. Très bien. On y a un gardé et absence la police qui a multiplié presque et chaque jour dans différentes zones côté Mounio a lancé des SOS ou parler des cabarets ou parler des et Akaye. Je dis en situation une quatre fois plus compliquée et selon ou pas penser que monsieur qui vient là dans cadre mission et multinationale là plus environ 400 officiers kenyans déjà là et ou pas quoi que vous cap porter solution, imaginez qu'il y a plein, presque dans le même degré, avec la police et président conseil, présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, et fait état des matériels que monsieur dans cadre mission et qu'il a eu pas gagné. Vous pensez que n'a pas résolu le problème dans cette mission ou sans mission? Désir. Kenya n'a pas gagné capacité pour résoudre crise qui vient en Haïti. Crise sécurité là surtout. Les plus coriaces, c'est ça qui vient au Kenya. Tandis que je pas même qu'à résoudre ça qui vient. Ça qui vient résoudre crise par nous qui est plus compliqué encore. Son bagage terrible. Vous passez les hommes de nous, mission ça nous pas capable. Nous avons un peu de temps encore. Nous avons recruté qui vient là. 600 Kenyans. Et pas des vrais policiers, non? Malgré même la recette des vrais policiers, ça vient dans le pays là, son forme de guérilla, il y a eu Ben Gelier. Il n'y a pas de cas à résoudre, non? Pas des policiers même. Ce sont des jeunes nègres qui ne font pas de faire rien, ils ont couru par une formation rapide. Et pour venir dans la mission, son recrutement, quand on inscription, ils fait, oui? Parce que parmi les forces opposition qui sont dans Kenya, ils n'ont pas d'accord pour les policiers ou bien pour les militaires qui viennent en Haïti, non? C'est Ruto qui court, ils font un bagage rapide là, ils lancent quand on appelle d'offres liées, comme ils ont un pile chômeur, l'autre bord, un chômage enragé au Kenya. Et puis ils courent, ils font appel à la formation un mois, deux mois pour les oui? Et pour pas un nègre tellement pas gain astuce et policier ou bien militaire là kayo là au descend dans airport là au lieu pour des exhibitions à faire pour inquiéter et bandi c'est danser y a danser quand tout monde vient danser à aller au gunman. C'est déjà un signal que nègre te voyer clair son paquet de plaisir son paquet de touristes qui viennent manger fritaille dans pays oui men.
Est-ce que vous voyez, je me présente pour plan d'action et force étrangère là? Même yo même pas compte qui ça a venu faire, non? Sont 600 millions de dollars et que la communauté internationale a voyé en l'air ou bien coqué son docaï et puis yo vient chercher comment yo capable de prendre en 200 ou 300 millions de dollars dans 600 millions de dollars. Amen. N'est-ce que vous pas venu résoudre le problème de sécurité pour d'ailleurs vous pas venu battre avec gang pour nous? N'a pas de joie. La communauté internationale, pour jusqu'à présent, surtout, et notamment dit, Conseil Sécurité en dedans des Nations Unies, qui t'a voté, qui t'a pris une résolution, et qui permet mission cap déploie ton en dedans pays, et selon ou pas, on jouait cache-cache, les bien, on jouait coquet, mettre dame, cap joué là, les, ou gade, officier kenyan, normalement, ou débarqué, c'est vrai, ou gen fusil dans main, qui, ou gade, c'est proportionnel, même avec fusil que bandit, ou utilisé, y'a pas gen, matériel qui vient malgré et les États-Unis te fait nous connaître aux environ 100 vols qui tapé et avions militaires qui tapé atterri sous ta marque aéroport international tout ça une vêture des faits qui te fait vraiment et qui t'a porté matériel et nous t'en déplayer comment c'est déplayer pour question matériel dans quatre missions. Est-ce que vous pas pensé c'est temps que monsieur Damien entend qui a fait passer qui a permettre que situation dans le pays d'Haïti a pu s'empirer? Exactement, non seulement il a fait temps passer. Pas oublier que dans le cadre nouvel ordre mondial, dans le cadre dessiné, ça, on ne peut pas me dire là. Je ne sais pas si je me dis non, 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 intervention me faire. Dans le cadre nouvel ordre mondial, dans le cadre dessiné, et toutes les conditions réunies pour gagner en troisième guerre mondiale. Le Kenya, c'est un allié sûr des États-Unis en Afrique de l'Est. Negyo a cherché, pas oublier que en Haïti nous presque pas gagné l'armée, son l'armée embryonnaire ou bien on tire l'armée bancale que nous gagnons. Et les États-Unis pas fait soldats militaires haïtiens en confiance. Neg sa yo ouwe qui vient là son forme de prépositionnement que on vient faire pour les États-Unis en cas de en troisième guerre mondiale. Dans le cadre de nouvel ordre mondial qui a dessiné là. Pas oublier que l'Ukraine, ce n'est pas une guerre innocente, non? Qui intérêt l'Ukraine a gagné pour faire forcing ça pour entrer dans l'OTAN par rapport avec position et avec la Russie. Et il connaît qui ça pas clater dit pour la Fédération Russe. Et pas oublier. Dans le mois qui s'est passé là, il y a des sous-marins russes bien équipés qui sont dans la côte cubaine. Pas oublier Cuba, c'est allié là où c'est que lié. Malgré ça, où est les États-Unis, pas faire aucune déclaration, il ne pas prendre aucune disposition. Eh bien, ça, où est qu'il fait là, pas oublier, Haïti est un lieu stratégique par rapport avec positionné dans la mer des Antilles. Pas oublier, nous avons l'île de la Tortue, nous avons l'île de la Vache, nous avons pas qu'à dire l'île de la Gonave. Ce sont des lieux stratégiques pour des combats maritimes. Eh bien, son prépositionnement, parce que c'est la première fois, on fait déclaration, ça me toujours prendre et faire réserve pour ne pas parler de dossier sérieux dans l'intervention qu'on a fait là. Eh bien, Kenya yon vin là, en d'un pays, hein, yon pas vin résoudre problème de sécurité. Yo pa vin résoudre problème moun kap kouri kite zon yo gang kap envahi moun yo. Au contraire, gang yo kap kite zon yo nan intérêt les États-Unis là où il y a plus espace pour yo capable établir base yo, pour yo capable faire exploitation ressources minières. Maintenant qui ça que nous prend là dans des frères. Très bien. Malgré tout ça, et gouvernement lancé processus électoral parce que yo arrangé yo inscrit une tentative qui cap monter conseil électoral provisoire diverses organisations ou structures et des partis politiques à voué membre et ou estime je va parler la élection capable possible vis-à-vis avec Jean monsieur déjà démarré à gouverner là. Ah mais moi bonne nouvelle là et de son forme de dictateur et que gouvernement lancé la guerre et non pour mettre dame libre nèg yo. Gary Conilan, son expert que lié, nan dos pas oublié, c'est dans les Nations Unies, la travail, dans l'UNICEF, dans l'activité humanitaire. Mais Nexario, et yo connaît et conception bagage ça très bien, men.
sans ouais qu'a fait là et pas innocemment nèg yo lancé et activité électorale yo en temps de crise là non et non période de grave insécurité pour d'ailleurs on ne peut pas parler de l'élection dans un pays avec un niveau d'insécurité aussi élevé ou pas ouais au lieu pour nèg yo mettre focus sous problème insécurité à pour résoudre li ou pas son l'autre crise yo déjà lancé ou pas depuis fin lancé et activité recrutement pour CPA gen une crise préélectorale qui déjà lancé parce que nèg ça yo connaît bien depuis on parler de élection dans pays hein toute organisation fou toute parti politique fou toute politicien fou yo pas intéressé avec problème insécurité encore ou pas à tel point que nèg yo c'est des élections seulement on a parlé société civile élection organisation femme élection droits humains élection parti politique élection et la presse élection même son forme de distraction nèg ça c'est expérience yé nan sa wè que y a fait a et nous même dans au sein du mouvement point final nous disons c'est deux groupes monde qui intéressé avec élection de dans un pays hein. Ce sont les voleurs et les gens qui ont de connivence avec les gangs armés. Pas grand qu'un bon monde qui a parlé d'élection actuellement dans le pays. Dans le cas, comment vous même vous qualifiez comme si, bon, je connais comment si c'est jouet ou élection jouet ou bien si c'est un bail mettre dame qui a fait, bon côté PM, comment vous qualifiez tout à coup notre bail? Qu'est-ce que vous avez dans la question de l'élection? Vraiment, vous montrer ce que vous voulez faire là. Élection? Pas d'élection, mon cher. En pas d'élection. Malgré comme si là, presque tout secteur est écrit là, sans c'est presque fin vous représenter au nombre de conseil ça. Pas d'élection ou incertain ou pessimiste? Et ça passe, mon cher. Une bonne nouvelle. Bon, Jovenel Moïse, t'es qui t'installe le conseil présidentiel là, le conseil électoral là, les débloquer. 40 millions de dollars que nèg la parti avec là Mathias Pierre volé li parti avec 40 millions de dollars et sous Ariel Henry yo fait même bagarre on fait plusieurs tentatives pour yo mettre un conseil électoral provisoire sous pied ou des gens moi li installé c'est même bagarre la gars qu'on a fait là son perte de temps mon cher son forme de activité le mettre pour créer sensation bon côté quand qu'on y connaît pour parler des élections d'un pays préalable mais qui s'allie d'abord c'est rétablir la paix et la sécurité dans le pays bon si vous allez organiser des élections eh bien côté nous les territoires perdus département de la Tibonite